ancien militaire. Je suis président de l'Union nationale des combattants de Parigny-l'Évêque depuis 6 ans. Et le but de cette exposition, c'est de montrer aux gens de Parigny et à l'extérieur de la commune que représente l'Union nationale des combattants Parigny-l'Évêque. Donc, on va commencer par les fondateurs de l'association, qui ont été fondés par le révérend père Daniel Brottier, qui a été l'inspirateur de l'UNC à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, et qui a été suivi par Georges Clemenceau du Le Tigre, qui est le parrain. Donc ce sont les deux hommes fondateurs de l'Union nationale des combattants. Donc, comme cela a été créé en 1918, à la fin de la guerre, je pars sur un thème sur nos chers poilus qui ont combattu pendant 4 ans de guerre terrible, une maquette réalisée par moi-même, ainsi que divers objets et documentations photos sur la Grande Guerre. Donc là, nous arrivons sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, aussi. Des combattants sont morts pour la France et ceux qui en sont revenus de 39-45 étaient aussi adhérents et membres de l'Union nationale des combattants créée par le révérend père Brottier et Clemenceau. Donc 39-45 a été une page assez marquante aussi au niveau mondial et aussi bien pour la France. Après, nous passons sur les prisonniers de guerre. Car à Parigny-l'Évêque, nous avons deux drapeaux au niveau de l'association représentant les ACPG, les anciens prisonniers de guerre. Et actuellement, nous avons de la documentation sur un homme qui était de Parigny-l'Évêque et qui a été déporté et prisonnier durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est aussi une manière de lui rendre un hommage à cet homme en l'exposant lors de cette exposition. Quoi. Comment s'appelle-t-il ? C'est Monsieur Blin. Gaston. Aussi bien que pour 39-45, 14-18, l'exposition, c'est aussi le rendre le plus grand des hommages qu'on peut. Après, nous basculons sur l'Algérie, d'où les AFN, l'Afrique du Nord. À l'association actuelle à Parigny-l'Évêque, nous avons encore des membres adhérents des anciens d'Algérie. Donc, nous exposons des tenues, une caisse popote, des photos. Pour leur hommage, de leur vivant, et aussi pour ceux, malgré tout, qui nous ont quittés dernièrement, et aussi pour ceux qui sont morts en Algérie. Donc là, nous arrivons dans la partie, on va dire, la quatrième génération du feu. Après avoir vu la première génération, deuxième et troisième génération du feu sur la première partie de l'exposition, ici, c'est la quatrième génération du feu, la génération OPEX. Donc ça engendre à partir de 84, le Liban, ça regroupe le Tchad, la guerre du Golfe, l'ex-Yougoslavie avec la Kraïna et la Bosnie-Herzégovine, la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, et le Mali. Que veut dire OPEX ? OPEX, opération extérieure. Sachant qu'à l'association à Parigny-l'Évêque, nous avons des adhérents qui ont été sur le théâtre du Liban en 1984, ainsi que en 90-91 avec la Finule sous le béret bleu. En 1993 au Tchad avec l'opération Épervier. Alors là, cette maquette représente les casques bleus en Bosnie, elle a été confectionnée par moi-même sur une durée de 2 ans. Ne représente aucun village spécifique, c'est tous les schémas que j'ai pu avoir durant les mandats que j'ai fait en ex-Yougoslavie, à trois reprises de mandat de 6 mois. Ce sont des images dans ma tête et qui sont toujours. Et donc j'ai reproduit cette maquette qui cause plus qu'une photo. Donc après, vous avez toujours le thème sur l'ex-Yougoslavie
94-95 et aussi 92, lors de l'arrivée des premiers casques bleus sur les terres de l'ex-Yougoslavie. Après, nous passons sur 2003, opération Licorne, en Côte d'Ivoire. Et aussi 2004, toujours en Côte d'Ivoire, sur l'opération Licorne. Là, vous trouverez le thème de la guerre du Golfe. Donc la guerre du Golfe, c'est une guerre qu'on oublie un peu. J'ai beaucoup de membres adhérents OPEX qui ont été à la guerre du Golfe. Et je tiens à préciser que nous avons un drapeau avec une association à laquelle nous travaillons ensemble. C'est l'association des anciens combattants et vétérans de la guerre du Golfe. Le drapeau est ici. Et ce drapeau est sollicité un peu partout en France. Tous les ans, nous nous déplaçons à l'anniversaire de la fin du Golfe à Paris pour un dépôt de gerbes au monument OPEX, au parc Citroën, et le soir pour le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe en présence de son Excellence l'ambassadeur du Koweït. Des adhérents aussi qui ont été sur le théâtre d'opération en Afghanistan, l'opération Richelieu en 2010, avec le 2e régiment d'infanterie de marine, 2e RIMA basé à Champagné, et l'opération Serval 2013 au Mali et Barkhane 2016. Alors, pour information, tous ces thèmes représentés sur des territoires en opération extérieure, beaucoup de personnels ont fait partie du 2e régiment d'infanterie de marine basé à Champagné lors de ces opérations extérieures, en partant du Liban jusqu'à l'Afghanistan. J'ai des membres OPEX qui ont participé à certaines OPEX, voire plusieurs OPEX pour certains adhérents. Donc à savoir qu'à Parigny-l'Évêque et aux UNC, nous avons 5 drapeaux. Le drapeau des AFN, les deux drapeaux des prisonniers de guerre, le drapeau derrière moi des vétérans de la guerre du Golfe et le drapeau OPEX. Donc cette exposition représente réellement tout ce que les gens de Parigny-l'Évêque de leur vivant ont fait, et aussi bien que pour nos anciens qui sont tombés au combat, malheureusement nous ont quittés après. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la manière de leur rendre un grand hommage. Vous pensez qu'aujourd'hui on a tendance à oublier tout cela ? Bien sûr, le devoir de mémoire, à mes yeux, est en train de disparaître. Et c'est une chose qui est quand même malheureuse, parce qu'il ne faut pas oublier ce que nos anciens ils ont fait. Moi, ma devise, c'est ne les oublions pas. Alors, c'est très important le devoir de mémoire, aussi bien pour la guerre de 1870-71, 14-18, 39-45, et aussi pour nos camarades qui sont tombés en OPEX, qu'on oublie beaucoup, aussi pour la guerre du Golfe, qui a été une guerre éclair, la tempête du désert, mais il y a quand même des gens qui sont tombés durant ce conflit. Pour moi, il est très important de ne pas oublier ce que ces gens ont fait pour leur drapeau. Ils se sont battus, ils ont été sur des théâtres d'opérations extérieures pour leur drapeau, donc ils ont le mérite d'avoir le devoir de mémoire, et il ne faut pas les oublier. Donc j'invite les gens à venir aux cérémonies. C'est important de venir aux cérémonies, de faire voir aux enfants, de refaire monter l'éducation nationale, de refaire monter l'histoire du passé de la France, car c'est très important. Si on est là, c'est grâce à eux. Donc il ne faut pas les oublier. En continuité, il faut avoir le devoir de mémoire. La France oublie trop ses victimes. Oui, oublie trop ses victimes. Pour moi, elle oublie trop ses victimes. Il ne faut pas les oublier. Je vais prendre un exemple. L'Arc de Triomphe, c'est un site touristique, mais avant tout, il y a un soldat en dessous. C'est une tombe. C'est pas pour rien que tous les soirs, à la même heure, il y a le ravivage de la flamme depuis que le soldat inconnu a été mis en place sous l'Arc de Triomphe. C'est important. Donc,
dans les petites communes, aussi bien qu'à Paris, à l'Arc de Triomphe, que dans les petites communes, au monument aux morts, ne serait-ce que de s'arrêter devant un monument aux morts, de le regarder, c'est d'avoir déjà une pensée pour nos anciens qui se sont battus pour la France. Aussi bien de 14 à 39-45, de l'Indochine, de l'Algérie, et maintenant nos OPEX. Il ne faut pas les oublier. Donc c'est très important. Et qu'on soit tous ensemble unis, pour qu'on marche tous dans le même sens, pour pouvoir leur rendre cet hommage. C'est très important et on a tendance à l'oublier, c'est malheureux.